Et coucou, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Bien bonjour, j'espère que vous allez bien, on est un autre jour. Nous sommes mercredi, exactement 9h30, je viens d'aller prendre ma douche. J'étais pas cadrée, Liana vient de se réveiller, donc bah, écoutez, ça fait plaisir. J'ai pu faire mon ménage, j'ai pu vider mon lave-vaisselle, le re-remplir. J'ai pu, elle tire la ficelle de ma caméra, hop. J'ai pu également mettre ma vidéo en ligne parce que hier soir j'avais la flemme, oui, qui dit flemme, voilà. En ce moment c'est ça, j'ai beaucoup la flemme de faire les montages vidéo et les mettre en ligne parce que c'est du travail et ça m'énerve. Du coup voilà, j'ai pu faire tout ça et là je viens d'y changer la couche et maintenant elle va manger parce que depuis 2h30 du mat elle a pas mangé. Même 2h je crois, donc ça fait plus de 6h, donc du coup voilà. Comment ça se passait, ça fait plaisir. Aujourd'hui ma soeur t'a pété. Il fait ouais, elle rigole. T'as pété? T'as pété? Ouais, les doigts, on aime ça. Aujourd'hui, logiquement, j'ai ma soeur qui vient. Donc, c'est pour ça que je me suis levée. Et j'attends des colis. Et je vous montrerai de toute façon tout ça. Mais c'est sûr que ce vlog va être aujourd'hui et demain. Parce qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps de faire beaucoup de rush avec ma soeur. C'est pas possible. Et le colis que je vais vous montrer, je vous montrerai demain ou ce soir. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, je vous prends encore dans cette journée. Je vous dis que je n'ai pas bougé du canapé depuis tout à l'heure. Il faut que j'aille étendre ma machine. J'y suis toujours pas allée. Liana est dans son parc. Elle a bu tout biberon. Je suis trop contente. C'est toujours très compliqué les biberons avec elle. Et là, non, elle joue dans son parc. Pas du tout. Elle joue dans le Yupala. Vous devez l'entendre. Il est 10h30. Liana dort toujours. Tout le monde dort. Je n'ai rien fait. J'ai fait des TikTok. Et je ziote un peu les réseaux. Voilà, bon après il faut que je m'active clairement. Sachant que aujourd'hui j'aimerais bien regarder un petit peu pour commencer les croquis pour mon album que je veux faire, que je vais faire hors caméra comme je vous avais dit. Mais je voudrais regarder un petit peu parce que je voudrais faire une couverture, mais pas la méthode comme je fais moi d'habitude. Voilà, mais je vous montrerai tout ça. Je sais pas si je vais y arriver parce que je sais pas si ma soeur descend ou pas. Et c'est surtout que j'ai un logo à faire aussi qu'il faut qu'il soit prêt pour demain. Et j'ai des montages à faire aussi. Alors je sais pas. Voilà, je sais pas si je vais arriver aujourd'hui à me mettre sur mon bureau là-bas et regarder un petit peu ce que je peux faire en termes d'album. Je sais pas du tout. Mais quoi qu'il arrive, là pour l'instant, je fais rien. Bon, ça y est, mademoiselle est ici et l'autre mademoiselle est ici. Voilà, tout simplement. Alors, ça fait flou, j'ai l'impression derrière. Bah écoute, c'est que mieux. Tout le monde est réveillé. Voilà, le robot est en marche là-bas. Il faut que je vide le lave-vaisselle, j'ai pas envie. Mais il faut que je le fasse. Et puis voilà, et après, ça serait bien que j'arrive à continuer quand même un peu ça que je vous ai montré dans l'autre vlog. Donc ça, vous allez voir un haul parce que je l'ai reçu. Tout simplement, il faut que je continue. Voilà, j'en ai encore plein. Là, j'ai les petits cœurs. Et ici, nous avons les petits ronds. Voilà, donc il faudrait que je continue avec les petits trucs comme ça, d'ailleurs, que je vais laisser un petit peu loin au cas où on sait jamais pour Luna. Ouais, il faut que je continue. Et après, il faut que j'y trouve une place. Je sais pas du tout. Voilà, mais bon, là, c'est mode biberon. Voilà, vous avez vu ces petits cheveux. Ils ont vachement poussé. Hein. Alors, elle a les cheveux, ils ont bien poussé. Hein, parce que je fais une grosse couette comme ça. Ils sont très fins. Et Liana a les cheveux aussi qui ont poussé. Mais ils sont très épais. Voilà. Allez, bon, je vais me mettre un peu de la musique. Il faut que je me motive. Hein, parce que là, je ne fais rien. Ouais, bah après, c'est mercredi. Qui dit mercredi, généralement, je fais rien. Hop, ça y est. Bon, allez, à plus. Bon, hop. Regardez, je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Il est 13h à peu près. Écoutez. Les cigales, c'est trop bien. Il fait très chaud, très chaud. J'attends que mon facteur passe et je vais aller sortir mon chien. Vous avez entendu aboyer. Il faut que j'aille le sortir, sauf que ben, le facteur passe plus tôt en temps normal. Oh, non mais what? J'avais pas vu. Est-ce que vous voyez ce nuage noir? Alors je sais pas s'il paraît très noir. Voilà.
J'avais pas vu ce nuage. Alors il fait très chaud, très 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 chaud, ben, vu les cigales comme elles... vous allez rigoler. Elles font, il fait très chaud, il fait très beau, et là il y a un nuage. À mon avis, je crois qu'il va péter un orage. Et oui, je vous disais, je sors pas mon chien pour l'instant parce que j'attends que le facteur passe. Mais là, aujourd'hui, le facteur ou la factrice, je ne sais pas aujourd'hui si c'est un garçon ou une fille, est un peu à la bourre. Voilà, et après je sortirai mon chien parce qu'autrement, il n'arrête pas d'aboyer quand le facteur qui passe. Et j'ai couché les petites dans la même chambre. J'ai enlevé le lit de ma chambre et je l'ai mis dans la chambre de Léna. On va voir ce que ça donne, je sais pas. Voilà. J'ai pas de soucis par rapport à Léna, mais Liana, c'est pas du tout sa chambre, elle y a jamais dormi dedans, donc on verra bien. Mais il faut que j'ai la transition. Voilà, même si Liana fait pas ses nuits, que cette nuit je vais devoir aller doucement sans faire trop de bruit dans la chambre de Léna, j'ai pas le choix. Voilà, elle a plus de 6 mois maintenant, il faut que j'arrive à couper le cordon, même si je vous avoue c'est un petit peu dur. Sa naissance a été et sa venue au monde, sa naissance, tout ça a été très dur, et maintenant voilà, j'ai vraiment du mal, mais il faut que je coupe ça. Donc voilà, j'ai testé à la sieste là. Là de toute façon je remets pas le lit dans ma chambre quoi qu'il arrive, là il va falloir qu'elle prenne l'habitude. Et voilà, ça me fait un petit peu bizarre. J'ai préparé un bouquet de fleurs parce que j'attends un colis pour en faire une story sur TikTok. Et voilà, j'attends ce fameux colis. Après, je vais aller me caler. J'ai un montage à faire, donc je vais aller le faire. Mais je vais me caler. Voilà, parce que je suis éclatée. Ma soeur devait venir, mais finalement, je pense pas qu'elle vienne. J'ai vu qu'elle a fait des lives. Donc, elle viendra pas. Donc, je vais aller me poser sur mon ordi. Et j'en ferai pas plus. Mais bon, j'attends d'abord mon colis. Et je me poserai après. Parce que... Enfin, bon, allez. Je vais, j'attends mon colis, je vous montrerai bien évidemment, soit aujourd'hui, soit demain, comme je vous ai dit, c'est en 2 jours. Et je vais surtout profiter, on m'avait dit depuis un moment, Charlène, prends du temps pour toi, et c'est ce que je fais maintenant. Donc je vais prendre du temps pour moi. Vous allez bien, on a un autre jour. J'ai continué le vlog 2 jours après, parce que clairement, je n'ai pas eu le temps, j'avais plein de choses à faire. Vous aurez entendu le petit choum, j'ai un petit biberon qui est juste à côté parce que mademoiselle Liana est passée dans son lit il y a 2 jours et du coup elle fait ses nuits. Alors comment vous dire que ça fait un bien fou, mais étant donné que je ne suis pas encore habituée, j'ai un rythme qui me lève très tôt. Donc ben, ce matin à 8h, ménage était terminé, sachant qu'on est samedi, hein. Je préfère vous le dire entre l'autre vlog et celui-ci. On est samedi et comme je vous ai dit, à 8h j'étais prête. Aujourd'hui j'ai mis une robe comme ceci, je l'avais reçue de Kupch. Je sais pas si vous vous rappelez trop bien dedans. Du coup voilà, donc j'avais tout fait. Et qui a fait la cruche et qui a oublié de programmer son vlog pour ce matin, c'est Bibi. Donc là je vais mettre Liana dans son Youpala maintenant qu'elle a mangé. Je vais la mettre dans Youpala et je vais programmer mon vlog. Là je vais le mettre je pense à 10h vu qu'il est 9h05 et voilà. Voilà. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que j'ai une vidéo à tourner ici, hop, en compagnie, voilà, ici, en compagnie du biberon, on adore, c'est la vraie vie. Et je pense que je vais la tourner là maintenant parce que tout le monde dort. Donc je pense que je vais en profiter. Voilà, même si on entend un peu Liana, je pense que c'est pas ça qui va changer les choses. Donc du coup ouais, je vais peut-être d'abord faire ma vidéo, comme ça au moins c'est bouclé et au moins je pourrai la monter quand j'ai le temps, hein, parce qu'en ce moment les montages des vlogs c'est quelque chose qui me fatigue à faire, ou le montage des vidéos c'est super long, et en fait mettre rien qu'à mon PC ça m'énerve. Donc du coup après j'aurai le montage à faire, mais quand, je ne sais pas, parce qu'en ce moment les montages c'est du n'importe quoi. Ça y est, j'ai fait ma vidéo. Alors finalement je l'ai faite dehors parce que Liana est en train de jouer, donc je vais regarder, hein. Elle est dans le Youpala. Alors maintenant vous savez quoi, le Youpala, elle va d'un côté, je la regarde à travers de la baie vitrée, elle va d'un côté, elle va de l'autre, elle fait sa vie. Donc je l'ai laissée dedans et j'ai mis les dessins animés en fond, parce qu'en fait si elle m'entend plus, elle va dire mais ma mère elle est partie où. Non mais non, mais vraiment, si elle entend pas de bruit, alors elle ne regarde pas la télé, ne vous inquiétez pas, elle est petite et je sais qu'il faut pas qu'elle regarde la télé, donc elle ne regarde pas la télé. C'est quand même ma 6e, donc je sais maintenant comment les enfants fonctionnent, mais en fait c'est le son. Si elle n'entend pas de son, eh ben je sais très bien qu'elle va crier. Alors c'est pas parce qu'elle crie, parce qu'elle pleure, non non, c'est qu'elle a compris qu'elle avait des cordes vocales. Et comment vous dire que dès qu'elle ne me voit pas ou dès qu'elle a faim, elle crie. Voilà, donc là elle vient de manger, elle a la couche propre, elle a été lavée hier, donc c'est bon. Donc c'est pour ça que je me suis mis dehors. Alors aujourd'hui le temps, je ne sais pas si vous verrez, hop, parce que ça va faire la mise au point sur moi. Voilà,
C'est mitigé, c'est pas super bleu, c'est ouais. Bon, après, vous allez me dire, c'est 9h, donc voilà. Donc, du coup, je me suis installée dehors, j'ai fait ma petite vidéo. Et puis, ouais, voilà, c'était mon objectif d'aujourd'hui, faire ma vidéo et je l'ai faite. Là, je vais aller boire un bon café parce que j'en ai besoin. Ce matin, c'est pareil, étant donné que Liana dormait, une fois que j'ai fait mon ménage, que j'étais prête, j'ai fait des TikTok. Ben ouais, en fait, j'ai repris TikTok à fond. Je vous en ai parlé dans mon autre vlog, mais clairement, j'ai repris TikTok à fond. Ça fait trop plaisir, voilà. C'est un côté déjanté et je kiffe. Allez, maintenant, dose de café parce que j'en ai besoin. J'avais prévu d'aller à Lidl à pied ce matin parce qu'en fait, tout simplement, hier, j'ai acheté. Alors, c'est des... C'est du porc en fait, que ça fait comme des comment dire, comme des rôtis, mais en fait vous l'émiettez. Alors c'est ce qu'il y a en ce moment et c'était super bon. On en a fait des vrais pierres avec de la salade, des tomates, de la feta et tout. Et en fait j'en ai acheté qu'un et je pense que là je vais y retourner et je pense que je vais en acheter encore parce que c'était trop bon. Voilà, c'était trop bon. Donc je pense que je vais motiver et je pense que je vais y aller. Mais je sais pas si aujourd'hui je vais avoir du monde parce que aujourd'hui j'avais Noé qui devait partir chez ma belle-mère. Mais écoutez, je n'ai pas de nouvelles donc je pense pas qu'il parte aujourd'hui. Donc il partira samedi prochain, je pense, du coup. Et j'avais une amie à moi que j'ai rencontrée quand j'étais enceinte de Léna. Donc on s'est connus via TikTok, etc. Mais je n'ai rien préparé pour qu'elle vienne et je ne sais pas du coup si elle va venir ou pas. Si ma soeur va passer. Je sais qu'il y a ma belle-sœur aussi qui veut passer. Bon bref, je n'en sais rien. On verra la journée que je passerai. Mais quoi qu'il arrive, je vous reprends avec moi. Même si je ne vais pas vlogger énormément, je vous reprends et je vous montrerai tout simplement tout ce qui va se passer dans ma journée. Bon, il est plus tard, ma belle-sœur vient de partir. Ouais non, on va pas chanter. Regardez, j'ai reçu tout ça. Un partenariat, une commande, un truc pour Chloé et l'autre, je ne sais pas. Léna est partie tout simplement avec ma belle-sœur manger au McDo. Ouais, voilà, les boules, parce que moi j'aurais bien mangé à McDo. Et j'ai Liana qui est dans le Youpala ici. Moi je vais m'apprêter à faire à manger et cet après-midi je verrai si je fais les vidéos. Mais là, juste avant de faire à manger, je vais aller regarder les petits colis que j'ai reçus. Il me reste uniquement un truc que j'ai pas reçu, mais ça arrive avec Chronopost. Je regarde où elle repart. Ouais, voilà, elle repart là-bas. Ça arrive avec Chronopost, donc ça sera tout à l'heure. Donc je vous le montrerai parce que j'ai pris un truc pour Liana, pour l'évolution de Liana. Et puis voilà, du coup, elle a mis au McDo. Après, on se baignait. J'ai donné des sous pour qu'elle me trouve une toute petite piscine parce que là, le coquillage, ça leur fait mal aux fesses. C'est pas ouf. Et puis voilà, et en fin de journée, j'irai chez Lidl. Elle me mène du coup parce que oui, Lidl, c'est la vie. Hein. C'est quand même moins cher que certains magasins, surtout par chez nous. Voilà, j'ai pas Léna cet après-midi parce qu'elle amène se baigner chez mon beau-père. Donc du coup, voilà, j'ai que Liana. Donc je vais chouchouter petite Liana parce que c'est vrai, quand j'ai les deux, ben, l'attention elle est pour les deux et des fois c'est un peu compliqué pour Liana aujourd'hui. Elle regardait un des petits. Bref, allez, c'est parti, je vais ouvrir ce carton et puis vous en verrez pas plus pour aujourd'hui de ces coups. Oui, je vous disais avant qu'on soit coupé, j'étais en train de valider des commentaires et là, je tombe sur un commentaire Tému qui me dit « Ouais, vous êtes rémunérée, c'est pour ça que vous avez dit que des bonnes choses. » Alors non, en fait, je ne suis pas du tout rémunérée. Avec la collaboration de Tému, ils m'ont simplement envoyé des messages. Moi, vous le savez, je suis honnête dans mes partenariats, etc. Donc déjà, premièrement, de quoi tu te mêles en fait? Tu penses que je suis rémunérée? Pas du tout. Et même si j'aurais été rémunérée, que j'avais envie de dire que c'était de la merde ou pas, je l'aurais dit. Et là, moi j'en suis très satisfaite. Et un autre commentaire qui me dit, ouais, c'est trop de consommation, ça pollue la terre. Non mais en fait, ce que j'ai reçu, c'est pour ma maison, pour ma fille et tout simplement pour le baptême en fait. Et j'ai fait une économie de fou par rapport à ce partenariat. Mais en fait, les gens, ils sont toujours en train de critiquer. Peu importe la vidéo que tu vas faire, tu as toujours des critiques. Donc, si ça ne te plaît pas, le titre de ma vidéo, tu passes ton chemin, en fait. Tu arrêtes de regarder mes vidéos. Non, mais parce qu'en fait, je vous explique, tous ces gens-là qui sont derrière les petits pseudos ne vous enverra jamais un message en privé pour vous dire les choses. Et c'est souvent des faux comptes, des personnes que tu ne parles plus depuis un certain temps, etc., qui créent des comptes pour venir te mettre des mauvais commentaires. Mais en fait, voilà, passe ton chemin. Arrête de venir sur ma chaîne et puis voilà. Et non, Tému, ok, je ne suis pas rémunérée, ok, j'ai reçu un partenariat et j'assume en fait. Voilà, ça te plaît pas,
Tu files. Parce que oui, je sais qu'il y a eu une polémique apparemment avec Temu. Je ne suis pas allée voir parce que moi, ce n'est pas des chaînes que je suis abonnée. Donc, on m'en a parlé et je suis pas allée plus loin. Voilà, chacun son opinion. Voilà, elles ont eu des problèmes avec Temu. Moi, j'en ai pas eu. Et moi, j'ai pas de rémunération. Voilà, et les produits, j'en suis très satisfaite. Et vous m'excuserez, maintenant, c'est l'heure que j'aille m'occuper de Liana. Fallait vraiment que je fasse une petite aparté parce que les gens me fatigue. Vraiment, il y a des personnes, elles feraient mieux de s'occuper de plutôt que venir nous mettre des mauvais commentaires, parce que moi je les approuve pas, je les vois, mais je les approuve pas. Et en plus, je vous en parle après. Donc bref, ah, je vous jure, c'est incroyable. J'ai reçu le grand tapis. Alors il est très grand, hein, vous voyez. Donc j'ai juste un peu fermé là parce que Liana est couchée. Là-bas c'est tout l'espace, mais ça je vous le montrerai plus tard. Mais du coup voilà. On se croirait à une crèche. Bon, et du coup, tout à l'heure, je vais vous montrer ce colis que j'ai reçu. Ça, c'est mon partenariat. Donc, je vous ferai une vidéo. Et là, je vais m'installer parce que du coup, ici, en fait, dans ce bac, j'ai tout pour faire une vidéo. Voilà, parce que c'est le reste de mon craquage. Donc, du coup, je vais m'installer par terre parce qu'il fait très, très chaud dehors. Hop. Si juste je fais ça, hop là. Non, rien du tout, il fait très très chaud. J'en peux plus, j'ai tout fermé, hein, les stores et tout, tellement qu'il fait trop chaud. Donc là, je vais m'installer, comme je vous ai dit, par terre, parce que voilà, j'ai beaucoup trop chaud et je vais faire cette vidéo. Je profite de ce temps de calme. Bon, je me suis calée dehors, il fait trop bon. J'espère que Nuki va pas nous faire tomber l'appareil photo, parce qu'il est juste à mes pieds. Je voulais vous montrer. Je me suis du coup assise, alors je fais attention que le chien ne mange pas ceci. J'ai reçu un colis. Alors, tout simplement ce colis, j'ai reçu un colis de Nox. À recevoir un tout simplement pour la fête des mères. Mais en fait ils n'ont pas vu mon mail, donc j'ai pas eu de collaboration avec eux. Par contre j'ai une collab ici. Alors vous allez me dire oui encore une collab. Ben oui encore une collab. Il faut savoir que en barre d'infos je vais vous mettre le lien tout simplement. Si vous voulez commander sur la boutique de Nox. Vous le savez c'est des parfums, c'est des diffuseurs. Et maintenant ils se sont lancés à faire des bijoux. Et là moi je vais vous montrer des bijoux également. En fait il faut cliquer sur mon lien que je vous mets en barre d'infos. Et vous aurez le droit à moins 15%. Alors il faut savoir que les parfums c'est des tout petits prix. Moi là aujourd'hui j'en porte un parce que j'en ai testé un direct quand j'ai reçu le colis tout à l'heure. Je l'ai depuis ce matin et je sens encore, il est à peu près 4h30, c'est pour vous donner une tranche d'idée. Je sens toujours, dès que je fais ça en fait j'ai l'odeur, c'est un truc de fou. C'est tout simplement les seuls parfums que j'arrive à garder toute la journée. Me demandez pas pourquoi. J'ai testé les vrais et clairement, je sais pas pourquoi, ils ne tiennent pas. Et ceux-là, moi j'en ai plein, je dois en avoir une quinzaine. J'en ai donné à ma fille Chloé, j'en ai donné à ma fille Lola et j'en ai donné un également à ma belle-sœur. Et franchement, ils tiennent du tonnerre. Donc vous allez en barre d'infos, vous cliquez sur le lien si bien sûr ça vous intéresse, que vous voulez tester. Et si au cas où, en cliquant sur mon lien, vous n'arrivez pas à avoir les moins 15%, vous marquez tout simplement chaque chou en majuscule, mais de toute façon je vous le mets tout simplement tout en barre d'infos, vous aurez plus qu'à cliquer et c'est terminé. Alors c'est arrivé très très bien emballé. Il faut savoir que là j'ai reçu deux parfums, je me fais attaquer par une petite branche comme ceci. Les parfums ça arrive avec des boîtes comme ceci, vous avez un numéro. Alors moi personnellement je marque, je garde pas les boîtes après, hormis si c'est pour offrir, mais les boîtes moi je les jette et je marque tout simplement ce que c'est. Aujourd'hui le 24-29 c'est le Libre de Yves Saint Laurent et le 490 c'est le Zadig. Alors le Zadig c'est le premier que je vais vous montrer, c'est celui que je porte moi aujourd'hui. Clairement il sent très bon, mais ce parfum là il sera pour Lola, tout simplement il sera pour Lola. Donc moi je vais juste vous le montrer et je vais lui en faire bénéficier elle. Donc Lola c'est ma fille, c'est un 50 ml. Et ce que je vous disais c'est que derrière il y a 490, il y a marqué Zadig. Moi je le marque comme ça au moins on... vu que j'en ai plein je ne me rappelle pas des numéros. Alors hop. Il sent très bon. Il sent vraiment très bon. Alors ça, c'est pile pour les ados. Clairement, pour les ados, si vous connaissez le Zadig, marquez-moi le en commentaire. Franchement, il sent très bon. Et n'hésitez pas à aller voir sur TikTok. TikTok, j'en ai fait tout simplement une story. Et je vais vous mettre une story également sur Instagram. Donc, le premier que je vous présente, c'est celui-ci. En fait, c'est moi qui ai pu choisir. Et ça qui est top avec Nox. C'est qu'en fait, je leur ai envoyé des liens. Et en fait, ils m'ont envoyé tout simplement ce que je leur avais envoyé. Et celui-ci, donc, c'est le 24-29. C'est le Yves Saint Laurent. Donc le Libre de Yves Saint Laurent, il sent aussi très bon. Alors là je vais pas me le mettre dessus parce que j'en ai déjà, je porte déjà l'autre. Il sent très bon. Celui-là il est très femme. Celui-là je kiffe.
celui-là, franchement, je suis fan. Donc, les contenants sont tout simples. Alors, petit rappel, vous avez pour les femmes, vous avez pour les hommes, vous avez pour les enfants. La prochaine fois, je vais tester pour hommes et pour enfants. Voilà, tout simplement. Et autrement, packaging tout simple. Ça que j'aime, c'est qu'ils tiennent très bien. Ils sont pas chers du tout parce que les 30 ml, je crois qu'ils sont à 12 euros et quelques. Et les 50 à 30 et quelques. Clairement, le libre de Yves Saint Laurent, je pense que le 50 ml est très cher. Voilà, donc là, 30 euros les 50 ml, ça fait pas cher. Et moi, en principe, je prends que des 30 ml. Comme ça, ça fait encore moins cher. Donc, du coup, je vous montre, voilà, les deux petits parfums. Et comme je vous ai dit, ils font des, comment dire, des diffuseurs, etc. Et là, ils se sont lancés à faire des bijoux. Et ça, c'est une box. La box bijoux, elle est trop, trop, canon, vraiment, je vous montre. Alors, ça se présente comme ceci, donc c'est une petite boîte. La première des choses que moi je vais vous montrer, alors déjà la première des choses, j'ai reçu une bague, elle est trop belle. Alors par contre, quand c'est des box comme ça, je ne sais pas si elles sont toutes identiques ou pas, ça je ne sais pas. De toute façon, c'est marqué sur la boutique. Donc la première bague que j'ai reçue, donc c'est des bijoux inoxydables, donc elle est très belle, vous voyez, elle est très jolie, voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai reçu cette bague, donc dans la box, hein, tout simplement. Alors là, ça ne va pas avec mes autres bagues, donc c'est pour ça que je ne la porte pas maintenant. Mais je la porterai, ça c'est certain. Après, vous avez tout simplement le bracelet. Alors j'aime beaucoup le bracelet. Et le bracelet, je vais me le mettre directement parce que je n'ai pas de bracelet. Voilà, tout simplement. Alors qui dit inoxydable, dit que normalement vous allez pouvoir vous baigner avec. Vous allez pouvoir tout simplement, pas que vous baigner, vous laver, faire votre vaisselle, etc. Donc bah, écoutez, on va tester. Alors si j'y arrive juste à me le mettre, parce que avec des longs ongles, c'est difficile. Au premier, vous voyez niveau taille, ici ce qu'il me reste, voilà, j'aime beaucoup. Après vous avez une paire de boucles d'oreilles. Alors je vais vous montrer en fait... comment vous montrer, ben, je vais vous la montrer comme ceci. Tout simplement, la paire de boucles d'oreilles, elle est vraiment très 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 jolie. Vous voyez, franchement, elles sont trop canon, ces petites boucles d'oreilles. J'aime beaucoup. Vous voyez, elles sont très jolies. Voilà, j'aime beaucoup. Et alors, ce que j'aime le plus et que je vais porter tout de suite, c'est ce collier. Alors, c'est vraiment un collier. Voilà, je le trouve trop beau. Vraiment trop trop canon. Alors, je vais le porter. Hop, pour que vous voyez, et je vais enlever l'autre tout simplement pour que je le kiffe. Je suis complètement fan. Regardez ce collier, voilà, il est trop joli. Alors juste, je crois que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Alors je vais regarder parce que vous avez des petits strass, et c'est pareil, là je vais le porter pendant quelques jours, et une fois que, comment ça s'appelle, et je vais tout simplement voir comment il réagit. Moi, vous le savez que je n'enlève jamais mes bijoux. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, je n'enlève jamais mes bijoux, je dors avec, etc. Regardez-moi comme il est trop beau, je kiffe. Alors je sais pas si vous verrez, il y a des petits diamants, voilà, il est trop 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 beau. Voilà, avec un peu un petit cœur, je crois que c'est un petit cœur. Moi, je suis complètement fan. Donc, c'est une nouveauté qu'ils font maintenant, des bijoux. Donc, franchement, ça, c'est tip top. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, hop, ça arrive dans une petite boîte comme ça. Donc, ça fait très classe. Si vous voulez faire un petit cadeau, par exemple, un petit coffret comme ceci à moins de 50 euros et le combo d'un petit parfum, je pense que ça peut être vraiment un très, très, très joli cadeau. Ou alors, par exemple... Les personnes qui ont des adolescentes comme moi ou adolescents, en fait, si vous voulez pas mettre trop trop cher dans des vrais parfums qui clairement sont exactement les mêmes que ceux-là, il faut pas se leurrer, hein, c'est exactement les mêmes, c'est des dupes parfaits. Et moi, vous le savez, même si je suis en partenariat, je vous dis toujours sincèrement ce que j'en pense, et là je peux vous assurer qu'ils sont parfaits, exactement comme les vrais. Et si vous voulez pas mettre 100 euros dans les bouteilles de parfum pour vos ados, franchement, c'est Nox, c'est une pépite. Voilà, moi mes filles, Chloé du moins, en a plein du coup, parce qu'elle en a récupéré plein de ce que j'ai, et franchement, elle en est juste fan. Et là, elle peut s'en mettre à gogo, on va dire, parce que ben, là, c'est un moindre prix, et voilà.
Moi, c'est terminé. Comme je vous l'avais dit, hein, moi, 100 euros dans les parfums, c'est fini de chez fini. Donc voilà, je vous invite à aller voir la boutique pour celles qui ne connaissent pas. Et celles qui connaissent, marquez-moi-le en commentaire si vous avez déjà passé des commandes. Moi, de toute façon, je vous mets mon lien d'affiliation. Il faut cliquer dessus et vous pouvez avoir directement 15%. Et puis maintenant, on va tester. Voilà, tout simplement le collier et le bracelet. Alors, le bracelet, je pense que je ne vais pas le casser. Maintenant, le collier, vous savez, moi, avec Liana, elle me tire souvent les cheveux, les colliers, tout. J'espère qu'elle ne me le cassera pas. Mais de toute façon, je vous en dirai des nouvelles dans quelques temps pour voir si, du coup, ça a bougé. Allez, vous entendez les grilles. Allez, c'est parti. Et je vais aller ranger mon petit bazar. Bon, du coup, je vous flouterai un peu. Ma belle-sœur m'a trouvé la piscine, les brassards, enfin le gilet, mais le gilet pas trop grand. Et comment dire, et elle m'a trouvé également quoi d'autre? Ah oui, les brassards et le gilet. Et moi, du coup, je suis allée chez Lidl. J'ai pris du pain parce que j'avais faim. Et j'ai eu ça gratuitement parce qu'en fait j'avais une viennoiserie offerte. J'ai pris des petits, comment ça s'appelle, des petits chèvres, du gorgonzola parce que c'est la vie. Ça je l'avais gratuit. En fait quand vous prenez la carte de Lidl, vous avez des paliers. Donc ça, j'ai pris des cotons-tiges, du fromage, champignons. Ça pour les asticots. Voilà, simplement. J'ai pris ça, c'était gratuit. Une truc comme ça, attends quoi, ça, ça, et je suis allée au boucher, j'ai pris des keftas, parce que ce soir ça annonce barbecue, normalement, j'ai pris un kilo de merguez, franchement c'est un, comment dire, c'est un boucher marocain, c'est trop bon, j'ai pris trois trucs comme ça, la brochette. Voilà, j'ai tout le monde à côté, c'est génial, on adore. Hop, et pour terminer, j'ai pris trois brochettes de bœuf. Voilà, on va se péter le ventre. Et voilà, je crois que c'est bon. Ouais. Non, et si, j'ai pris deux trucs de bananes parce qu'elles n'étaient pas trop chères. Du coup, je suis en train de faire des patates au four. Vous savez, les patates rouges. Et Liana qui pousse tout. Voilà, c'est le bazar, je vous l'annonce, c'est le bazar. Mais étant donné que je n'étais pas là depuis tout à l'heure, j'ai envie de vous dire, le bazar va rester comme ça et je rentre un petit peu. Et là, je suis en train de préparer un arrosoir parce que quand je fais le barbecue, sachant que je fais un barbecue au bois, en temps normal, c'est mon chéri qui le fait, hein, mais étant donné qu'il est à Paris jusqu'au mois d'août, eh ben, je me débrouille. Voilà, je suis en train de voilà, préparer le barbecue et je vous l'annonce, hein, je vais puer le barbecue. Donc comment vous dire, une fois que j'ai mangé, et ben je vais tout simplement comment dire, je vérifie le barbecue. Ça pue, ça pue, ça pue. Et ben une fois que j'ai mangé, que j'ai couché les petites, je vais aller prendre une bonne douche. J'en ai bien besoin. Et voilà. Et en plus de ça, Lola est pas là. Noé va peut-être aller manger au McDo. Et je vais être toute seule avec comment ça s'appelle, avec Chloé. Un gros barbecue comme ça, c'est génial. Bon, je vous retrouve le lendemain, je clôture en pyjama, tête déplorable. J'ai passé une très bonne nuit, trois nuits consécutives que Liana dort, si ce n'est les pertes de susu, mais bon, ça j'ai envie de vous dire. On a l'habitude, hier soir on a super bien mangé. Et du coup il me reste même à manger pour midi. Alors comment vous dire que c'est parfait. Je viens de terminer le ménage. Il est exactement 9h30. J'ai mademoiselle Liana qui est juste derrière dans la chaise haute. Elle mange Sophie la girafe. Donc hier soir on a bien mangé et figurez-vous qu'après avec Chloé on a tout simplement continué les préparatifs du baptême. Je vous ne montre pas ici parce que là-bas il y a le robot qui est en train de tourner et les petits dorment. On a tout simplement mis dans les pochettes tous les couverts parce que il fallait le faire. Alors on en a fait 60, on est entre 60 et 70 mais j'attends d'avoir les réponses de tout le monde avant de faire quoi que ce soit. Donc du coup on a fait ça, j'ai fait les 3 bougies avec la corde, donc je vous montrerai ça dans un autre vlog. Et on a fait également les petits rondins de bois. En fait moi j'ai collé mon épi de maïs, de blé, enfin du moins Chloé a collé les épis de blé et en fait moi je les ai déjà positionnés dans une boîte, j'aurais plus qu'à marquer les aliments qu'il y a dans chaque salade, etc. Et après, on a fait des petites décorations avec un brin de blé et une petite étiquette. Bon, je vous montrerai tout ça dans le prochain vlog.
Là je vais clôturer, je vais aller déjeuner, j'ai très faim donc je vais aller déjeuner et puis après je ne ferai pas grand chose de plus, voilà, aujourd'hui c'est le week-end donc on profite, si ce n'est que j'ai une vidéo à tourner, alors c'est fort possible que je la tourne aujourd'hui, mais si je la tourne pas aujourd'hui, je la tournerai demain. Qu'est-ce que t'as ma boulette? Elle a très très bien dormi, voilà, ça fait plaisir et c'est drôle parce que hier elle s'est levée à 8h45 et aujourd'hui à 8h quasiment 45. Je pense qu'elle commence à avoir un petit rythme qui est pas mal. Mes parents, je me suis levée avec le mal de tête. Donc là, petit café, j'ai mangé une banane que j'ai achetée hier et je vais goûter des machins là au caramel que j'ai pas payé du coup parce que je les avais eu gratuits par rapport à la carte fidélité de Lidl. Allez, moi je vous fais des bisous, je vous retrouve très très vite dans un prochain vlog, prenez soin de vous et à très bientôt, bye bye.